Oh.
Louange et remerciements au Seigneur, nous avons vraiment entendu des paroles glorieuses et nous ne sommes pas ici pour réchauffer les chaises sur lesquelles nous sommes assis. Nous sommes ici pour être embrasés par la parole de Dieu, comme il nous est dit dans Luc 24. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Pas comme quelqu'un, pas alors que quelqu'un d'autre parlait, mais alors qu'il nous parlait, alors que lui, il nous parlait. Et je crois qu'il n'a pas encore cessé de parler. Bien au contraire, il parle encore aujourd'hui à toi et à moi, par sa parole et par son Saint-Esprit. Et nos cœurs commencent à brûler. Je dois avouer que du premier au dernier frère qui a parlé ici en peu de temps et qui a parlé en peu de temps, il se passe toujours quelque chose dans mon cœur. C'est si merveilleux d'entendre que l'amour de Dieu n'existe pas seulement en parole, mais en actes, Et qu'il a été, cet amour a été répandu dans nos cœurs. Et que le Seigneur a donné la lumière au temps du soir, qu'il a éclairé et qu'il nous parle. Et celui qui l'entend ne prêtera plus attention au discours des hommes. Celui qui a compris une fois à quel point la parole du Seigneur est précieuse, bénéfique, pleine d'amour, à quel point la grâce et tout ce dont nous avons besoin se trouvent dans la parole du Seigneur, un tel homme renoncera à tous les discours des hommes qui sont si destructeurs, si démoralisants et si pesants. Mais ce que le Seigneur fait, c'est bien fait. Lorsque Frère Kupfer a parlé brièvement, j'ai pensé à la crucifixion de notre Seigneur. Il y avait une foule immense, les scribes, les pharisiens, même les disciples. Personne ne savait plus ce qui se passait, ni ce que cela signifiait. C'était une foule qui se rendait jusqu'à la colline de Golgotha. Mais il y en avait un qui avait été crucifié avec eux. Il avait compris ce qui se passait. Ce que les autres disaient ne le dérangeait pas. Les uns criaient, donne-nous Barabbas, et des cris s'élevèrent parmi le peuple, des opinions allaient et venaient. Mais il y en avait un à qui personne n'avait besoin de faire un sermon. Dieu avait touché son cœur et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il ne regardait pas le tumulte, il ne regardait pas les cris des gens. Il regarda le Seigneur. Il a invoqué et a reçu la réponse. Le Seigneur dit, avant qu'il n'appelle, je répondrai. Il s'est engagé à bénir et à nous donner ce que nous lui demandons. D'autres sont passés à côté. Ils ont secoué la tête. C'est ce que rapporte l'un d'eux dans son évangile. Les autres disaient, il a aidé les autres, pourquoi ne cède-t-il pas lui-même? Il y avait beaucoup de tumulte et de discussions. Mais quelqu'un parmi d'autres a compris ce qui se passait là. C'est là que l'agneau de Dieu meurt pour les péchés du monde.
et il invoqua le Seigneur et reçut la réponse. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'avait plus la possibilité de servir le Seigneur. Tu l'as et je l'ai. Nous avons reçu en cadeau des années de grâce pour servir le Seigneur. Combien ont été sauvés à la dernière heure et n'ont pas pu mettre leur vie à la disposition du Seigneur, mais sont simplement passés dans la gloire. Nous sommes encore ici, non pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour celui qui est mort pour nous, pour servir celui qui était venu et avait dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est dépouillé. Il est sorti de lui-même et s'est humilié, s'est abaissé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'aller plus loin et plus profond et plus bas que ça. Et quand tout cela a été terminé, il a été élevé et est assis à la droite de la majesté de Dieu, attendant que tous les ennemis soient mis sur l'escabeau de ses pieds. Et nous savons qu'il n'y a pas d'ennemi qui n'ait pas déjà été vaincu à Golgotha. Et quand le moment sera venu, même le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort, devra pour ainsi dire rendre l'esprit et se rendre à la parole de Dieu. Et alors la mort ne sera plus et nous vivrons dans la présence du Seigneur lui-même. Et cela pour toute l'éternité. D'ici, dans la parole tirée des Corinthiens, nous avons tous lu. Je voudrais commencer juste avant 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin de connaître ce qui nous a été donné de Dieu par la grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu pour faire de grandes déclarations à ce sujet, mais pour connaître tout le plan de salut de Dieu, la rédemption, tout ce qui nous a été donné par Dieu. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les plus profondes profondeurs de la divinité. Il est écrit ensuite au verset 13, « C'est de cela aussi que nous parlons, non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit, combinant un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit. » L'un des frères a pourtant dit ici que de même que les prophètes étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, de même ceux qui annoncent la parole doivent être sous la même inspiration de l'Esprit de Dieu afin que la lettre soit vivante et que Dieu puisse lui-même nous parler. Il ne suffit pas de dire « Oui, le frère, un tel et quelques autres ont parlé. » Non. Nous devons simplement pouvoir dire que le Seigneur nous a parlé. Personne ne vient ici pour présenter son propre programme. Nous venons ici pour entendre parler
Dieu lui-même, pour le laisser nous parler lui-même. Mais c'est tellement important quand il est dit ici, et c'est de cela que nous parlons aussi, de ce qui nous a été donné par Dieu par grâce et qui a été révélé par l'Esprit. C'est aussi de cela que nous parlons, de ce qui a été révélé par l'Esprit. Et nous le faisons pas avec des mots comme l'enseigne la sagesse humaine. Oui, il existe une sagesse humaine et elle s'imagine encore beaucoup de choses, mais elle n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il doit s'agir d'une sagesse opérée par l'Esprit, inspirée par l'Esprit, qui prend la parole inspirée par l'Esprit, la rend vivante, la révèle et nous y conduit à faire les expériences de ce que nous entendons. Vous savez que Saul de Tarse avait absorbé assez longtemps la sagesse humaine sur la parole de Dieu. Et soudain, par la révélation de Jésus-Christ, une nouvelle étape est entrée dans sa vie. Depuis ce jour, il ne parlait plus de la parole de Dieu selon la sagesse humaine, mais il voyait maintenant les choses du point de vue de Dieu. Comment vois-tu les choses divines aujourd'hui? Les choses de Dieu doivent être vues par l'Esprit de Dieu. Sinon, tu ne les vois pas du tout ou tu les vois à l'envers. Les choses humaines peuvent être jugées et vues avec des yeux humains et des pensées humaines. Mais les choses de Dieu doivent être révélées par le Saint-Esprit et montrées par Dieu lui-même. C'est ainsi que nous les voyons comme du point de vue de Dieu. Ici, il nous est encore dit, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit. Donc, non pas avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, il relit le verset 13, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit, combinant un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit. Voici le contenu. Cette Bible contient le contenu de la parole de Dieu qui est inspiré par l'Esprit. Si maintenant l'Esprit s'y ajoute et que cette parole est rendue vivante, alors il y a un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un lien entre Dieu et ceux à qui il parle. Alors il y a la révélation de l'Esprit sous l'écoute de la parole. Alors la parole de Dieu nous est révélée et nous pouvons voir les choses du point de vue de Dieu. Que faisait Siméon dans le temple? Il a associé un contenu inspiré par l'Esprit à un langage inspiré par l'Esprit. Il lui avait été révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Messie. C'était la promesse de la parole. Et lorsqu'il vit de ses propres yeux la promesse s'accomplir, l'Esprit de Dieu vint sur lui. C'est là que le contenu inspiré par l'Esprit et le langage inspiré par l'Esprit ont été liés, combinés et manifestés. Il a alors pu dire, « Seigneur, tu laisses maintenant ton serviteur partir en paix. Car mes yeux ont vu le salut de Dieu. » Comment l'a-t-il vu? En ce que Dieu le lui a révélé par son esprit. Le sacrificateur qui pratiquait la circoncision selon la loi n'en avait aucune idée. Et les gens qui étaient dans le temple non plus. Mais il y avait une autre vieille femme, et soudain, on entend aussi sa voix. Et elle aussi avait quelque chose à raconter.
Elle n'a pas fait de sermon, elle n'a pas tenu de prédication, mais elle a parlé de ce qui s'accomplissait là. Et tout le peuple devait l'entendre. Un contenu inspiré par l'Esprit doit être associé à un langage inspiré par l'Esprit. Et pour cela, il faut que le contenu nous soit révélé par l'Esprit. Or, l'homme charnel n'accepte rien de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est pour lui une folie. Il est incapable de le comprendre parce qu'il faut en juger spirituellement. C'est également une phrase très précieuse. Pour l'homme qui n'est pas éclairé par l'Esprit, les choses divines sont une folie. Il ne peut rien en faire. Où qu'il aille et quoi qu'il commence, d'une manière ou d'une autre, il reste directement bloqué. Mais quand les choses nous sont réellement révélées par Dieu lui-même, comme je l'ai dit quelque part, tant que frère Branham, par exemple, exerçait son ministère de manière évangélique, des centaines de portes s'étaient ouvertes, des invitations du monde entier entraient. Mais à partir du moment où il a commencé à baser son ministère sur la Bible et à dire « Ici s'accomplit ce qui a été dit dans le prophète Malachi », lorsqu'il a commencé à associer un contenu inspiré par l'Esprit à un langage inspiré par l'Esprit et à le révéler au peuple de Dieu, à ce moment-là, les esprits se sont séparés. Et je dois dire très, très honnêtement que beaucoup ont fait cette déclaration, pas seulement à moi, ils ont écrit à ce sujet et ont dit, depuis le moment où frère Branham a commencé à sortir ou à rendre public le fait qu'il est un prophète envoyé par Dieu, nous ne pouvons ou ne pouvions plus suivre. C'est ce qu'ils ont écrit et c'est ce qu'ils ont dit. Et moi, c'est justement le contraire que j'ai dit. Là où ils se sont arrêtés et ne pouvaient plus continuer, Dieu, c'est là que Dieu a commencé avec nous pour continuer avec nous. À quoi sert un ministère s'il n'est pas un ministère biblique? Et s'il s'agit d'un ministère biblique, il repose sur des bases bibliques. Et alors, un homme de Dieu, dans notre époque, peut dire la même chose que ce que Jean a dit autrefois. Il a très bien combiné un contenu inspiré par l'Esprit avec un langage inspiré par l'Esprit. Ce n'était pas sa sagesse, mais la sagesse de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, il est écrit du verset 19. Jean 1, verset 19. Or, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était. Alors il confessa et déclara ouvertement, « Je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu élu? » Et il dit, « Non, je ne le suis point. » Il savait en effet qu'Élie viendrait juste avant le grand et terrible jour de l'Éternel.
Autrefois, ce n'était pas le jour du Seigneur, terrible et redoutable, qui se préparait à apparaître, mais le jour de la grâce et du salut. Il était un prophète. Il a associé un contenu inspiré par l'Esprit à un langage inspiré par l'Esprit. Et il a dit non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Vous savez que Moïse avait dit, Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et il y a fait référence au début des Actes des Apôtres. Et nous savons que c'était la référence au Christ. C'est pourquoi Jean dit, non, je ne le suis pas. Au verset 22, il lui dit, qui es-tu donc? Nous devons apporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Pour qui te fais-tu passer toi-même? Pour qui te fais-tu passer toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Ésaïe. De quoi s'agissait-il? Jean a placé son ministère dans le contexte biblique. Les gens voulaient savoir. Il lui avait adressé trois questions. Poser trois questions, mais ces trois questions ne s'appliquaient pas à lui. La parole qui s'appliquait vraiment à lui, il ne la voyait pas et il ne la demandait pas. Vous voyez, ils n'ont pas posé cette question. Es-tu la voix qui crie? Mais Jean leur a donné malgré tout la réponse. Il a établi, il a placé son ministère sur une base biblique, sur la base biblique. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre époque, dans notre temps. Il y a des évangélistes, un grand nombre, des orateurs et des hommes qui font tout et même l'impossible. Mais il y a la promesse dans la parole de Dieu qu'avant le grand et terrible jour de l'Éternel, il enverrait un prophète. Au moment où frère Branham est sorti ouvertement avec l'Écriture, les masses se sont retirées et elles ne suivirent plus le Seigneur. Lisez l'histoire de Jésus quand tout à coup, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il a parlé de cela. Moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Et beaucoup ne le suivirent plus, mais marchèrent derrière eux. Donc, l'ont quitté. Qu'est-ce que c'était? Ils n'avaient pas encore compris de quoi il s'agissait. Rendons grâce et remercions notre Dieu qui a un reste avec lequel il finira par faire. Il ira jusqu'au bout du chemin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue, non pas en raison de notre sagesse ou de notre connaissance, mais en raison de ce qu'il nous a donné par grâce. Ici, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, et j'en arrive à ma conclusion, peut-être que frère Rousse a gentiment donné la propriété à tous les frères, mais il ne doit pas non plus être négligé. Ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, nous lisons la deuxième partie du verset 37. La deuxième partie du verset 37 du chapitre 7. Jean 7, verset 37, deuxième partie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui. Car l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Ici, il nous est dit par notre Sauveur ce qui se passerait lorsque le Saint-Esprit serait répandu. Des fleuves d'eau vive devaient couler. Il devrait y avoir une source qui jaillit dans la vie éternelle. Et nous voudrions recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu comme cela est promis, a été promis, et comme nos frères et comme nos frères et sœurs l'ont reçu au début. Lorsque Pierre a été interrogé sur ce qui s'était passé dans la maison de Corneille, il a simplement dit: « Comment aurais-je pu refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit exactement comme nous au commencement ?» C'était sa justification. Lui aussi a associé un contenu inspiré par l'Esprit à un langage inspiré par l'Esprit. Il n'a pas utilisé ses arguments, mais il a laissé parler l'Écriture. Il a vu ici dans la maison de Corneille le même résultat, les mêmes phénomènes qui accompagnaient l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Il a vu les fleuves couler. Comment pouvait-il faire autrement que de dire que ces personnes devaient être baptisées au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, car ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont appelées baptême de l'Esprit. Pierre pouvait dire autrefois: comment pourrais-je leur refuser l'eau du baptême alors qu'ils ont reçu l'Esprit Saint tout comme, exactement comme nous l'avons reçu au commencement. Vous voulez le lire? Vous le connaissez tous par cœur. Il suffit de lire le chapitre 10 des Actes des Apôtres et vous y trouverez la confirmation très précise, puis plus loin au chapitre 11, quand il y a donné sa justification. Peut-être voulez-vous que je le lise. Ce devrait être au chapitre 11 des Actes des Apôtres, verset 14. Actes Apôtres 11, verset 14. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Comme je commençais à parler, le Saint-Esprit se répandit sur eux comme il se répandit sur nous au commencement. Frères et sœurs, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit dont nous avons besoin, tous, toi et moi. Un baptême de l'Esprit comme il fut expérimenté au commencement. Et si je ne le reçois pas encore aujourd'hui, je ne veux pas me faire d'illusions. Alors je veux bien attendre jusqu'à ce que je l'obtienne réellement. Il n'y a qu'un seul baptême de l'Esprit. Il produira les mêmes effets secondaires, les mêmes résultats, les mêmes dons spirituels et les mêmes fruits spirituels, les mêmes fruits de l'Esprit, les mêmes dons de l'Esprit que le baptême du Saint-Esprit
qui ont accompagné le baptême de Saint-Esprit, qui ont été dans le baptême de Saint-Esprit au commencement. C'est pourquoi Paul a pu dire, c'est par un seul esprit que nous avons été tous, que nous avons tous été baptisés ensemble pour former un seul corps et que nous sommes ainsi devenus membres d'un corps, d'un même corps. Aujourd'hui, parmi les soi-disant baptisés par l'Esprit, on trouve les orientations les plus diverses et l'une n'a rien à voir avec l'autre. C'est plutôt la haine, l'envie, la jalousie, la discorde, la division dans les cœurs. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la nature de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'état d'esprit, les pensées, les sentiments dont nous avons entendu parler ce week-end du Christ. Non, cela ressemble plutôt à de l'auto-illusion, à de la propre tromperie, qu'à une expérience avec Dieu réel. Une personne qui a fait réellement une expérience avec Dieu et qui a été remplie du Saint-Esprit, et cela comme nos frères et sœurs au commencement. Une telle personne doit... Cette personne doit finir par avoir les mêmes résultats, comme le même amour, les mêmes miracles, les mêmes signes, l'union intime avec Dieu et les uns avec les autres. Il faut que cela devienne à la fin ce que c'était au commencement. On ne peut pas prétendre avoir expérimenté ça et vivre dans la division. Et cela s'est produit lorsque tous ont consacré réellement leur vie à Dieu, ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et ont été remplis réellement du Saint-Esprit. Et puis il est si bien dit qu'il parlait des grands actes, des merveilles que le Seigneur avait accomplies. Les gens par qui Dieu lui-même parle, c'est là que nous pouvons entendre les choses divines. Les gens par qui quelqu'un d'autre parle, nous entendons tout sauf ce qui pourrait servir à la glorification de Dieu ou à l'édification de l'Église. Et vous savez, à l'extérieur, chacun peut faire ce qu'il veut, mais l'Écriture reste vraie. Et il est écrit que la bouche s'exprime selon ce dont le cœur est rempli. Tu peux dire 100 fois, « Oh, je suis rempli de l'amour de Dieu. » Oui, attends, qu'est-ce qu'on entend là? Est-ce que ça... c'est dit avec l'amour de Dieu et que cela vient de l'amour de Dieu. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce ne sont pas les paroles que nous faisons, les mots que nous prononçons, mais ce qui est réellement là et manifeste, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ce qui sera mis sur le plateau de la balance divine. Qu'il ne puisse être dit d'aucun d'entre nous, peser et trouver trop léger. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, peser de tout le poids de Dieu sur la balance, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. C'est seulement comme ça qu'on a du poids sur la balance, comme ce fut le cas au début. Jésus-Christ est à la fois le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons donc nous attendre à vivre en ce moment, actuellement, exactement, la même expérience du baptême d'esprit et de feu que nos frères et sœurs du début, du commencement, ont reçu. Donc la même expérience que nos frères et sœurs du début qui ont reçu ce que Dieu leur avait promis. Comme le chant, le compositeur de chant, les promesses de Dieu demeurent, elles ne chancellent pas à jamais, éternellement, par son sang Jésus a scellé ce qu'il promettait par la parole. Puisse le contenu de la parole de Dieu, inspiré par l'Esprit, avoir été associé aujourd'hui à un langage inspiré par l'Esprit.
et puissions-nous avoir compris la parole du Seigneur. L'homme naturel, charnel, nous l'avons entendu, n'a pas connu les choses de l'Esprit. Mais celui qui est réellement né de Dieu connaîtra les choses de connaîtra les choses de l'Esprit. Que la bénédiction de Dieu repose sur nous tous. Si ces réunions ont contribué à nous rapprocher du Seigneur et à nous unir plus étroitement les uns aux autres, ou les uns avec les autres dans, dans l'amour divin par grâce. Que Dieu, dans l'amour divin par grâce, que Dieu nous bénisse tous. Amen.